calme, les gars. Du calme. Vous le comprenez pas. Les gars, écoutez-moi. Tiens. Bois encore un coup, Gray. Tu viseras mieux. Pitié, pitié, pitié. Hé, hey, prends mon flingue. Mais vise pas en plein milieu de la cible, hein. À toi de jouer, maintenant. Écoute, plus vite tu répondras à nos questions. Et moins t'auras de chance qu'on rate notre coup et qu'on t'explose la tête. C'est pigé. Okay. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer, ok? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais tout vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est combien la prime sur nos têtes? 1,5 milliard pour chacun. Elle a été doublée après l'attaque du cargo de la Confédération. C'est Sarano lui-même qui l'a fixé. 1,5 milliard? Pas mal. Parle pour toi. Moi, je vaux le double. Bien. J'apprécie franchement ton honnêteté. Putain de merde! Je vous ai tout raconté! Ouais, mais t'as aussi voulu nous buter. Être honnête ne te rend pas innocent. Pas mal! Pas mal! Affaire. Hey, c'est le troisième de la semaine. Ah, Sarano a des envies de meurtre, on dirait. Allons attaquer des vaisseaux confédérés pour justifier la prime. Bordel! Oh, merveilleux! Ah, l'enfoiré! Ah non! Ah, tu l'avais fouillé! On confie pas des tâches importantes à un mec bourré. Tout ce que tu touches se casse la gueule aujourd'hui, on dirait. Va te faire foutre. Ça me fera de l'air. Maintenant, je sais pourquoi il boitait l'autre. Besoin de te dire de te baisser. C'est bon. Je suis pas débile. Vous êtes vraiment... Oh, la porte a l'air coincée. Recule, Doc. Je vais l'ouvrir, moi. Lequel de vous a eu la bonne idée de laisser une Nova Grenade aux chasseurs de primes? Gray, on est grillé ici. Je mets les voiles. Très bien. J'arrive tout de suite. Y a rien à boire dans le coin? Non. Juste un peu de diluant dans la réserve. Gray, on a un problème. J'ai besoin de vous. Vite! Votre attention, tout le monde. Capitaine sur le pont. J'étais en train de suivre la piste des cargos confédérés. J'ai même pas eu le temps de réagir. Il était déjà... là. L'Ulysse. Je vais nous sortir de là. Je vais essayer avec de la matière noire. Attention, on se prépare. Oh, on va nulle part, ici. Ah, c'est le bijou armé de la Confédération. Le général Sarano est à bord. C'est Noël avant l'heure. Ce gros tas de merde a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. On va lui faire payer l'addition. On est avec toi, Gray.
Sarano nous a laissés pour morts. Mais je suis bien non, vivant. Non, t'es bourré. Encore. On n'arrivera même pas à survivre une minute. T'as pété un boulon, Ishii. J'ai fait le serment de te servir malgré ton inconscience. Mais ça, je vais pas mourir pour que tu te venges, Gray. Pour qu'on se venge. Lulis tente d'entrer en communication avec nous. Armez les canons, ils vont piger le message. Si quelqu'un veut protester, c'est le moment. Personne ? Alors feu ! Allez, Raël. Sarano va regretter de ne pas avoir triplé la prime. Avec moi. 3, 2, 1.
Sarano veut faire exploser ce terminal. On se dépêche. Il nous reste du temps. Pas de soucis, chef. On est dans les temps. Hé hey. Putain, Ishii, je t'ai demandé de faire exploser ce truc, pas de relever tes mails. Qu'est-ce que tu fous, bordel? On regarde quoi, là? Toutes les missions qu'on a faites. On aurait massacré des gens innocents. Novak, c'était un reporter. Il écrivait un article sur Sarano et la corruption. Contacte Sarano tout de suite. Général Sarano, j'ai une... Dérangé pourquoi, bande de cons? Vous êtes sur le lieu de la mission, espèce de sale petit... Fermez vos gueules et répondez-moi. Tous ces gens, vous nous faites tuer des civils innocents? Et pourquoi vous croyez que vous êtes payés depuis tout ce temps, mes chers petits enfants de cœur de mes deux? Vous êtes des criminels, bordel! Des putains d'assassins aux ordres de la Confédération! Vous disiez qu'on tuait des trafiquants d'armes, des marchands d'esclaves, des meurtriers. Ben, je mentais. Et alors? On vient de tuer qui, là? Novak. Détenez des preuves de votre culpabilité, bande de cons. Vous l'avez tué pour couvrir vos arrières. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous servez fièrement un général de votre Confédération adorée. Pour laquelle vous seriez prêt à donner vos misérables vies de petits soldats de merde. Tout ça pour la préserver, faire plaisir à votre commandant et assurer la souveraineté du gouvernement. Non, soit vous rampez devant moi et vous vous excusez platement, soit je fais de votre vie un enfer. Je vais te tuer! Mais merde, mec, tu fais chier! T'as pris une décision tout seul, alors que ça nous concernait tous. Ok, on retourne au spectre. On saute dans les systèmes parallèles, hors de la juridiction de la Confédération. Je suis pas sûr qu'on puisse quitter cette planète, Grayson. Ah, bon sang. Hé, hey, t'en fais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien se passer. Ishii, surveille la petite! Reste en place! On va se battre! Vous tirez, les mecs! Sans déconner! Ils sont seuls! Un peu d'animation! Allez, Grace, c'est moi qui les pompe tous! Ici, Sato, tu es célèbre par chez moi. Je crois que mon heure de gloire est arrivée. Ici! Cours, petite! Jusqu'à l'ascenseur et descends! Va voir les flics! Allez! Bouge ton cul, boss! Allez! Mange-toi! Ça se présente mal, les gars! J'arrive! Dépêche-toi! Ishii agonise, il va y rester! Vous avez vu? J'ai vu plusieurs capsules d'évacuation de l'Ulysse s'écraser! Mais c'est pas le problème! Sors-toi la tête du cul! J'ai besoin d'un coup de main! Toutes les unités, évacuation immédiate. Toutes les unités, évacuation immédiate. Bon sang. Ishii. Ah ! Bon sang. Bougez-vous. Vite. Amenez-le à l'infirmerie. Doc, est-ce qu'il... Allez-y.
truc va bientôt lâcher. Il faut se barrer de ce putain de vaisseau. Pas question d'abandonner ici. Pas si on a une chance de le sauver. Ok, ok. Si Doc pense pouvoir le réanimer... Remets-le d'aplomb. T'es expert en cybernétique. Tu dois bien pouvoir... Je peux remplacer ses membres, mais... Regarde-le, Gray. La moitié de son corps est broyée. Mais essaye, au moins. Il donnerait sa vie pour nous, lui. Et si... J'ai peut-être une idée, mais il me faut une cellule de fusion chargée pour la biosoudure. Impossible d'en trouver ici, Doc. Bon sang! Il doit bien y avoir un moyen. Les capsules d'évacuation de l'Ulysse. J'en ai vu s'écraser. Attends une minute. Il y a des cellules dans les moteurs. Oui, chef. Viens, Harel. Il a plus beaucoup de temps. Maintiens-le en vie. On fait vite. Je vais te le dire franco, boss. T'as pas assuré. Je sais. Il nous est mis dans la merde. Espèce de gros bruit. Bah ouais, je l'entends. Ah, c'est magnifique, chef. T'es un véritable porte-bonheur. La poisse se colle littéralement à la peau. La ferme. Regarde l'autre sortie. J'ai déjà vécu des après-midi beaucoup plus sympas. Allez, t'arrêtes pas. Local s'interpose, Doc. On fait aussi vite que possible. Tombez ces saletés. Dépêchez-vous. Putain de merde! C'est l'Ulysse. Votre enfer doit pas être loin. Je suis sûr que Ishii va se sentir beaucoup mieux. Passe la vitesse supérieure pour les dessous vite fait. Il fait partie des nouvelles troupes de Sarano. Qui, ce clown ? Final Echo, l'élite. L'élite de mes deux, ouais. C'était pas qu'une rumeur. Final Echo utilise un lasso. Je croyais que les armes d'instinct étaient hors la loi. Ouais, c'est le cas. On va essayer. Oh, bordel. Je peux ressentir cette chose. Elle me comprend. Super, boss. Je suis ravi pour toi. Maintenant, rends-toi utile et ouvre le capot de cette capsule. Putain ! Récupère une cellule de fusion. Oh, ben merci ! Des fois que j'aurais oublié pourquoi on est venu ici. C'est vraiment trop zarbi par ici. Ah!
instant à l'autre. Brouillez-vous. On arrive. Tiens bon. Ici, il y a du vol que je tienne vraiment à lui. Il n'y en a pas beaucoup pour qui j'en ferai autant. Doc va le retaper, Rel. T'en fais pas. Vite, la cellule. Maintenant, dégagez. J'ai des millions de biosoudures à faire. Allez, dégagez. Procédure en cours. Et au bruit que ça fait, ils sont bientôt là. Doc, faut activer. On va avoir de la visite. Doc! Doc! Derrière toi! Dans la pièce! Procédure en cours. Non! Boss! Ils entrent par les conduits! Faut couvrir ici, tout de suite! Venez en pure! Faites voir ce que vous valez un peu! Ça va bastonner sec, sauvage de Médoc! Surcharge de système! Surcharge de système! Relier ton cerveau à un bioprocesseur robotique. Tu vas avoir du mal à t'y habituer. C'est comme une amputation, tu vois. Je vais t'aider. Toi, tu vas m'aider, toi. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre en quoi tu peux m'aider. Ta soif aveugle de revanche nous a tous condamnés. Je suis désolé. Tu es désolé? Tu es désolé? Ichi, écoute-moi. Le bioprocesseur résiste à son emprise. Ne le laisse pas t'affecter. Je vais te tuer, Gray. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est l'un des lassos de Final Echo. Ouais. Et alors? Tu vois la ligne de com? Ouvre-la. Coupe ton micro. Répète, que tous les survivants signalent leur position. Ishka, ici Sarano. Mais vivant, mais je suis coincé sur le toit d'un putain d'hôtel. Alors tu bouges ton petit cul et tu viens m'aider. Les locaux pullulent, je suis mal barré, j'ai besoin d'aide. Tous les autres échos, passez vos trackers sur zéro, en position. Je me dirige vers le centre-ville général. Sarano, ce bâtard est encore en vie. Ça change tout, Ichi. Même si tu veux pas assassiner cette espèce de salaud, il est ici, et des navettes d'évacuation vont rappliquer. Calcule nos chances de survie. Tu peux pister cette femme? Ouais, bien sûr. On la retrouve, elle nous mène à Sarano, et... Il se sert du général pour s'enfuir. Le tuer serait contre-productif. Je sais à quel point il t'importe de m'aider. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Je pensais quand même pas le tuer. On le trouve. On se barre d'ici. Je connais des super bio-ingénieurs. Ils vont te retaper, Ichi. Sur la tête de ma mère. Mais si tu échoues, tu n'auras plus aucune chance de rédemption.
J'imagine. La charge de ma batterie s'affaiblit. Si je ne la recharge pas d'ici 30 minutes, je vais mourir. Les salauds qui nous ont attaqués, il y en a un bon paquet plus loin au sud-est. Ils ont sûrement de quoi te recharger. Alors, je viens avec toi. Pour la dernière fois. Attention. Compris. Thank you.